Je veux écouter une histoire très intéressante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux écouter, mon cher frère? Je ne sais pas, quelque chose de très intéressant. Bien, écoute, je vais te raconter une histoire d'une poule. C'était une fois dans un bois habité deux ours. Il avait une poule. Ils habitaient très heureusement tous ensemble. Et une fois, cette poule a porté un œuf. Mais c'était un œuf dur. Et quand les ours ont vu, ils ont commencé de penser qu'est-ce que faire avec cet œuf. Et un ours l'a battu et battu et battu, mais il ne pouvait pas le casser. La femme l'a battu et battu, il ne pouvait pas le casser. Et une fois, la souris a couru et l'œuf est tombé et est rompu. Un ours a commencé de pleurer, la femme pleure, mais la poule claque. Ne vous pleurez pas, ne vous pleurez pas, je vous vais porter un œuf nouveau, mais un œuf non dur, mais ensemble. Et c'est tout. Me pleurait beaucoup, mais est-ce que tu savais quelque chose de plus? Ah bien, je vais te raconter une histoire d'infirmière. Une fois, infirmière habitait dans sa ferme. Il habitait beaucoup des animaux. Il habitait avec ce cochon. Le cochon pouvait faire. Il avait aussi un chien. Et le chien a fait. Il avait aussi un chat. Et un chat faisait. Il avait aussi un rat. Et ce train pouvait seulement sauter. Et aussi, il avait une poule. Et la poule disait co-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 co. Et cette poule avait un petit enfant. Et cet enfant a dit. Et dans cette compagnie, il habitait très heureusement.